Alors, bonjour, je suis avec Fred Harper aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qu'on fait ici à l'Île Noire, rue Saint-Denis, à Montréal? Oui, ben, ce soir, c'est le Yule Dev, c'est le deuxième Yule Dev. T'es habitué des Yule quelque chose, hein? J'en ai connu certains. Il y avait Yule Blog, il y avait Yule Biz, il y avait Yule Buzz, et maintenant Yule Dev. Exactement. Ben, écoute, quand il y a quelque chose qui est à succès, qui fonctionne, ben, on le prend, on le réplique, puis on l'adapte à une différente sauce. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi les développeurs qui sont dans différents groupes d'utilisateurs, qui vont souvent prendre un verre après leur événement, mais sont souvent très centrés sur leur technologie. Moi, je fais du Python, je vais aller prendre une bière avec les gars de Python après l'événement de Python. Moi, c'est plus front-end, je vais aller avec HTML5 Montréal après, aller prendre un verre. Puis c'est le fun, c'est correct, mais c'est le fun des fois de juste être ensemble avec différentes technologies, puis juste parler avec les développeurs, avec d'autres gens. Donc, c'est vraiment, c'est une soirée de réseautage. Les gens prennent un verre, alcoolisé ou non, puis on discute de technologie ou non. Fait que c'est juste une soirée de réseautage pour les développeurs. Parfait, mais alors, je vois que les entreprises participent, vous avez des sponsors, ce soir on a Shopify, il y a Google évidemment, il n'y a personne de Google, mais ils sont là omniprésents. Oui, oui, ben ça va bien, il y a un bon retour des gens, c'est le deuxième événement et on est rendu à 280 quelques membres, ça continue d'augmenter, sponsor t'en as nommé, donc il y a Shopify qui est un sponsor Yule Plus, tu as Google aussi, on a aussi des entreprises de Montréal, des entreprises comme Five qui est là aussi, il y a Control Web qui sont sponsors. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect partenaire. Parce que l'idée, c'était de dire, ben regarde, tous les groupes de développeurs travaillent ensemble pour mousser ces soirées-là. Parce que moi, je fais pas ça pour le profit, je fais pas ça, je fais vraiment ça pour qu'on ait une soirée pour réseauter. Donc, on a des gens de Python, on a des gens de Ruby, on a des gens d'HTML5 Montréal, on a des gens de PHP Québec, de plusieurs groupes à Montréal, et on les a pas tous contactés encore, qui sont considérés comme partenaires. Donc, un peu un échange de visibilité. Fait qu'on a des développeurs de tous ces groupes-là qui viennent nous voir. Et nous autres, on fait la promotion de ces groupes-là en même temps pour les développeurs, ceux qui voudraient connaître d'autres technologies. Parfait. Tu travailles pour la fondation Mozilla et on n'a pas Mozilla comme commanditaire ici, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour la fondation Mozilla ou pour toi-même? Non, c'est ben tout est toujours un peu lié à Mozilla. Mon travail, c'est évangéliste. Quand on travaille de réseauter avec les gens, de travailler avec les gens, travailler avec les développeurs, tout est toujours un peu lié. Mais je fais ça pour le plaisir. Écoute, ça touche un peu à ce que Mozilla fait. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, un peu tout ce que j'ai parti à un moment donné à Montréal, c'est de dire, il y a un besoin, parce qu'il y a plusieurs développeurs, après avoir parlé avec eux autres, ils se sont dit, moi, j'ai un nombre X de soirées que je peux utiliser pour sortir, parce que j'ai de la famille, j'ai d'autres choses à faire, puis je peux pas aller dans tous les groupes d'utilisateurs, fait qu'avoir ce genre de soirée-là, ça serait intéressant. Fait que c'était juste, je suis parti de cette idée-là, j'ai repris ce qui existait avec les Yule, je me dis, adaptons ça pour les développeurs, mais comme je te dis, c'est pas fait par Mozilla, mais... il y a toujours une relation quelque part. D'accord. Et alors, évidemment, les développeurs sont très demandés sur le marché du travail à Montréal, comme partout ailleurs. Est-ce que tu as contacté des entreprises ou elles sont venues d'elles-mêmes? Parce qu'évidemment, c'est intéressant. On peut peut-être rencontrer des ressources, faire du PR à ce niveau-là, au niveau des ressources humaines. Mais effectivement, tantôt, il y avait justement des chasseurs de tête, des headhunters qui étaient là ce soir pour jaser, parler aux gens. Il n'y a pas de présentation, c'est vraiment un réseautage. Donc, je parle probablement parce que j'ai un besoin ultime à quelque part de toujours parler. Je parle 5 à 10 minutes pour présenter les sponsors, parler un peu de la soirée, mais il n'y a pas de présentation. Par contre, n'importe qui, les gens sont invités, ceux qui cherchent des emplois, ceux qui ont des emplois à offrir, à venir réseauter. Puis, qui sait, vous allez probablement trouver la prochaine perle pour votre entreprise au Yule Dev. Alors, là, on est début juin. Est-ce qu'il y a déjà... un calendrier de prévu? Oui, bien dans le fond, on n'arrête pas pour l'été parce que c'est pas... On vient pas travailler, on vient pas s'asseoir pour écouter une présentation, on vient prendre un verre réseauté avec les gens. Donc, prochain Yule Dev le 8 juillet, encore au pub Lille-Noire. Et l'idée, ça va être... C'est sûr qu'il va y avoir moins de monde, c'est l'été, il va faire beau, les gens sont en vacances, mais l'idée, c'est de venir réseauter encore avec les gens, prendre un verre. Et peut-être que plus tard cet été, on va avoir un Yule Dev spécial qui va changer un peu la formule pour l'été. Mais pour l'instant, mois de juillet, 8 juillet, pub Lille-Noire. Allez sur yuledev.ca. Les informations sont là, ça redirige sur meetup.com. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, puis les gens peuvent s'inscrire pour le prochain Yule Dev. Merci Fred, à bientôt. Ça fait plaisir, merci Christian.